c'est bon, il a... Côte Noire, c'est une zone pas facile à appréhender, à gérer. Là, on s'en approche rapidement. On devrait être sur zone cette nuit, demain matin, avec des premiers grains, une première ligne de grains qui va nous attraper derrière moins de vent. Alors, comment on fonctionne concrètement? C'est Jean-Yves, lui, qui a une grosse expertise sur Côte Noire et des images chat, bien sûr, des choses comme ça. Et il nous envoie un petit peu son sentiment, à quel point faut passer ce poteau noir et de quelle manière il va être actif, plus ou moins à quel moment, à quelle période. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la théorie, et après en pratique souvent c'est un petit peu différent, parce que on peut se retrouver finalement avec plus de grains de prévu ou moins, ou une zone pas de vent, parce que les fichiers, ils les appréhendent pas vraiment bien. Souvent quand on regarde les fichiers, ça passe très bien. Là, si je regarde le fichier en ce moment, le poteau noir, il devrait pas être très actif et on devrait le passer sans vraiment trop s'en rendre compte. Mais dans la réalité, ça va être différent. Non, j'ai jamais passé le poteau noir. Ce sera la première fois. Mais je vais voir si c'est vraiment aussi effrayant que ce qu'on dit, c'est-à-dire une chaleur écrasante, une mer d'huile, pas de vent, et on verra bien. On m'a promis, Xavier Reville m'a promis qu'arrivé à l'équateur, il y aurait des averses et que j'aurais le droit à prendre une douche à ce moment-là. Donc je vais voir s'il va tenir ses promesses ou pas, si on va pouvoir se doucher. C'est la première fois que je le passe. J'ai toujours navigué en Atlantique Nord, donc l'inconnu, c'est bien. Découverte, inconnu. Ça m'inquiète pas vraiment, parce qu'on va y arriver, mais c'est un endroit où on peut perdre du temps, et donc c'est chiant, voilà, mais après on fera avec. Et la particularité météo m'intéresse, donc j'ai envie de voir. Voilà. Pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais bon, a priori il est pas trop méchant en ce moment.